السلام عليكم ورحمة الله مساء الخير بونسوار مرحبا بكم بيانفوني في اللايف تاع اليوم أه... ان شاء الله راكم بخير بونسوار ان شاء الله tout le monde va bien مرحبا بك يوسف خويا مرحبا بك رشيدة وعليكم السلام ورحمة الله فتحي ترافل ديزد مرحبا بك ان شاء الله راكم بخير كامل يا الخوا أه... فوالا جيسبر ماكوش عياني بزاف نديرو برك مباشر خفيف <applause> ظريف ما نطولوش عليكم ان شاء الله اون فا با طرو تاردي و باش هكدا كيما نقولو اون سو ريبوزون بعد بار لا سويت احمد بلعوان مرحبا بك خويا نوميد وافيا دي جي مرحبا بك بيان فينو مرحبا بكم بيبو الجي بونسوار خويا ان شاء الله راكم بخير ان شاء الله راكم تسمعوا فينا مليح الجلالي وعليكم السلام ورحمه الله الاخضر مرحبا بك خويا في انتظار يلتحقوا بنا الجماعه سانك سانك تري بيان سي بيان على الاستيليا بي

et bien sûr la riposte, la réaction de l'Iran qui était euh, voilà, qui était claire et nette. wa Salam. On pense quoi de la Jordanie, la Jordanie? On, on pense pas, on pense pas du bien à des Hajjabeen, ça c'est clair. De toute façon, d'après les d'après les articles, d'après les informations. Euh, J'en ai, ai lu pas mal. Eh bien, euh, la Jordanie ainsi que la France et, et les États-Unis, etc., ont aidé Israël, ont aidé l'entité sioniste à intercepter, Zama, la SABKLAMOM, Roma, ils ont intercepté les, les missiles et les drones à l'Iran. D'accord Là, il dit, Amrah Babik. bonsoir, inshallah qui J'espère que ça va. Challah, vous passez une bonne soirée. Tranquille. Alors, 49 visionnages. Nous avons juste à Balkortlas. OK. Je suis à Balkortlas. minute, quelque chose comme ça. Je ne peux pas tenir. Israël Wahada ne peut pas tenir, absolument pas. <coughs> Moi, je l'ai dit plusieurs fois. <coughs> On va discuter à la Koulihal, <coughs> n'irin hamham parce que j'ai bu, euh... bu un truc froid. Donc, c'est pour ça. Nadia Smenzer, bienvenue. احمد وناس مرحبا بك خويا سامير اي انجليز لو لو روا دو لا جورداني شي با فاتخو اما شي با د صالح وعليكم السلام ورحمه الله بلاك ريفر مرحبا بك ان شاء الله كون بخير دونك فوالا دونك 5 مينوت 44 دونك 6 مينوت 6 مينوت نقصرو شويه وعليكم السلام ورحمه الله مبارك عين طايه مرحبا بك خويا الله يرحم شو هذا محزاز خويا بيان فينيو فوالا voilà, سي مينوت دونك ان شاء الله راكم بخير يا الخوا ان شاء الله بو باسي ام بون سواري ام تي لايف فيت في رابيد داكور باش نحكيو على لونسون د لا سيتوياسيون حبيت نعطي لكم رايي يعني ونزيدو نقصرو شويه و, و بيان سور هاد هاد سي تادير Euh, ce qui se passe euh, en ce moment, c'est très important. C'est un tournant euh, important dans l'histoire. C'est-à-dire, on parle euh, d'attaque de missiles, d'attaque de drones. C'est la, la première fois que l'Iran, depuis le temps, depuis des, des décennies, où Kaine a eu le l'anti-sioniste à l'Iran, cette histoire de propagande. Wa alaikum salam, Carmel, Karmel, bienvenue, lamia lamia, bonsoir, Donc, euh, depuis des décennies, had le, le problème, had le, les tensions les y entre l'Iran et euh, Israël, donc l'antitationniste, euh, et voilà, donc ça s'est concrétisé. Il y a eu euh, une attaque claire, une contre-attaque bien sûr, une riposte, d'accord Claire et nette, euh, et net et bien ciblé, euh, euh, synchronisée, euh, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire ça a été bien programmé. michael Raym, bienvenue. On est arrivé A été arrêté aujourd'hui pour des graves accusations. Ah bon, il a été arrêté, ah, je ne pas. Je n'ai pas d'idée. Nordin ça fait longtemps que j'ai zappé parce que c'est une perte de temps et et voilà, c'est-à-dire c'est contre-productif. Donc ma Cédric, bienvenue Roya. Euh, comment dirais-je? J'espère que ça va. Donc c'est officiel. Ok ok. Ben, c'est merci pour l'information. qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des. est, qu y a des... est que Donc, c'est une première, l'Iran a carrément lancé des missiles et des drones contre l'entité sioniste. Bon, bon on constate beaucoup de choses. c'est-à-dire. Euh, le, 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 les opinions, les, les, euh, les, euh, les infos, les, les, la propagande, les raies sur les réseaux sociaux, sur les médias, etc. Donc euh, tous les médias, bien sûr euh, les médias dans euh, les pays occidentaux qui soutiennent directement sioniste, et eh bien ils sont en train de travailler.

où les hez, il a choqué carrément, il a fait trembler l'opinion internationale parce que l'Iran a véritablement a attaqué, a contre-attaqué et a tiré des missiles et des drones. Alors, entre parenthèses, Ben une Kainas, ils disent n'importe quoi sur TikTok ou sur Gda, ben, j'avais compris. Il y a une sorte de eh, propagande, une salam changeant pour le meilleur euh, une propagande une mascarade ou c est, c est du cinéma ou les, ou les... Le, 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 le petit truc con ridicule hein, bien sûr comme, comme, comme d'habitude euh, c'est pas du tout genre complotiste ou la conspire non c'est juste mais non j'avais fait quelques recherches mais finalement Finalement, c'est une propagande lancée par les pays, euh, comment on va les appeler, les pays normalisateurs, les pays t'as les t'as les lâches, les l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats, etc. J'ai had la propagande, à -dire contre l'Iran. Donc voilà, tout ça, donc, euh, euh, l'Iran, euh, finalement, c'est des histoires. Finalement, euh, tout simplement, c'est une mascarade. C'est un, un, un scénario, c'est un film. Ils sont en train de faire Israël et l'Iran pour masquer je ne sais pas quoi, etc. Un c'est des jeunes qui ont lancé cette, la bêtise à dire finalement j'ai cherché je suis des sites les réseaux sociaux euh, les pays arabes ya ma qui ma l'émirat ou qui ça ne m'a pas étonné bien sûr parce que c'est une réalité maintenant et c'est une c'est une vérité qu'on aime on n'aime pas d'ailleurs il y avait une personne hier c'est son on s'en fout de ce pays. L'Iran, c'est pas notre allié, c'est pas notre ami, c'est pas. On dirait que le barak fait un live pour demander, pour demander l'amitié de l'Iran ou là pour, pour je sais pas, pour l'inviter. Il ne s'agit pas de ça. elle est un pays qui a riposté, qui a contre-attaqué, qui a réagi, qui a. Qui a, le, qui a eu le courage, qui a eu l'audace, qui a eu le... qui va chercher loin de la force, de la puissance, du il remet en place cette entité de merde, excusez-moi l'expression. Mais il faut reconnaître, les pays arabes, les pays normalisateurs, c'est une réalité. كيفاش نتا عندك الامارات والكويت وكذا لي للمظهر ديالهم المظهر ديالهم مسلم و بي عربو مسلم و بلي و كوم نو حنا و الجيري اوني سونيت سنيت كوم لو لو غلوبالمان لو مغرب سنيت مي حنا ال الجيري سي لو سول باي سنيت لي راجل وفحل واقف على رجليه داير اون سوتي ليرون لي اون سوتني ليرون كونسرنو سيت cette riposte. Mais les autres pays sunnites, pour moi, c'est des plats ventristes, euh, ils ne valent rien du tout pour moi. Et l'Iran a attaqué, je ne vais pas, c'est ni mon ami, ni que ni je m'intéresse à sa politique intérieure, ni je suis d'accord avec sa politique, ni que Voilà, donc je précise, pour... Pour répondre Nasr Hadîl, Il me fait une fixation sur l'Iran. En euh, Amérique, je fais l'Iran autant que l'accord. mais je parle des, euh, de, 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 de la réponse, la réponse de l'Iran. tu euh, me comprends Tu fais la part des choses. Mais ma pardonner les commentaires. Tu es acte dans les lois. Je me voilà. Donc donc juste pour, pour éclaircir ce détail, donc j'ai compris El-Beldeh, l'Arabie, euh, le Moutabba, ils ont lancé la propagande, bien sûr euh, avec finesse, avec subtilité. Tandis qu'avec les réseaux sociaux, ou bien de des lives, ou des trucs. Et malheureusement, c'est devenu aussi, je vais vous le dire en exclusivité, un des pays espions, surtout après, surtout surtout. بعد اللقاء اللي داروا الرئيس عبد المجيد تبون آه للصحافه وقال يعني بطريقه غير مباشره ان هذه البلاد الامارات باللي راهم يديرولنا لي بروبليم ديز برنسيس ويلكم مرحبا بك صحه عيدك ادي غيبه ان شاء الله راكم بخير دونك آه بعد ما ما دار الخطاب الرئيس آه عبد المجيد تبون ولاو يخرجوا هذ هاد لي غاع هذوما تاع les émirats etc donc malheureusement en exclusivité il y a mouches électroniques arabo-sionistes euh, arabo, voilà, arabo c'est hein? ils sont pour l'anti-sioniste donc donc à plat ventriste exactement pardon ça vous avez bien fait de, de, de me corriger plat ventriste ça veut rien dire donc à d'abord le direct bon bref et, euh, et voilà donc, donc du coup ben euh, c'est à dire ça commence à s'éclaircir ben ben chi ben et surtout ben ben l'an maintenant des pays maintenant maintenant c'est l'Iran en l'occurrence, il peut y avoir d'autres pays qui peuvent riposter et qui, et, 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 ou qui peuvent frapper directement. Ils ne se défilent pas, c'est-à-dire qu'ils ne se défilent pas. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne se défilent pas. Les déviations, ils se défilent ou ils voilà il Voilà, tu m'as tu, tu tu attaqué, tu as touché au consulat, euh, au Damas, il y a eu des, des, des y a eu, je sais pas combien d'Iraniens qui sont morts, morts les matos. Donc il y aura une riposte. honnêtement, j'ai de l'admiration pour euh, pour être la réaction à euh, de l'Iran. j'ai envie de de la, de la partager avec vous. Maintenant, ça vaut ce que ça vaut, hein, bien sûr. qui va chier va On a on ce que j'ai aimé dans, dans ce truc, c'est que l'Iran, juste après l'attaque, la, enfin le, après le tir des missiles et des drones, etc., ils ont envoyé, on parle de 300, on parle exactement de 280. D'après les sites comme quand je fais des recherches, je vais directement à la source Talblad Hadik. Donc je vais, Kimakouchoufouf, la miniature, vous avez un site iranien, lesmo Fararu, c'est un journal, un média iranien. Après, bien sûr, je traduis, etc. C sorti, mais, euh, voilà, c à la belle, comme c'est pas sorcier, mais voilà, c'est-à-dire que je suis pas en train de suivre BF et hein, mes compagnies, et tu as vraiment euh, l'information, c'est-à-dire que l'information exacte où je suis Et du coup, tu sais, le site a d'ailleurs, il y a de l'attaque, et puis voilà, j'avais perdu un peu le, le fil. Euh, c'est que l'Iran, directement, elle a fait des communiqués, des correspondants, peu importe les moyens qui va chadrett les États-Unis, les diplomates, peu importe. je vais attaquer, directement. Je vais attaquer, euh, je vais tirer les missiles, tirer mes voilà, je vais contre-attaquer, je vais riposter. D'accord. Il y a eu tout un chalque d'entre eux, un ras le. Je veux dire, les entités sionistes, qu'un autre bateau dans le. Ils ont vécu un cauchemar, c'est-à-dire. Enfin, tu as les Il y aura des tirs. Ils appréhendaient, ils attendaient. Enfin, tiens, je vais me faire un mauvais havre. Et elles te lancent la couleur dès le départ. Ben les voilà, on va tirer, on va tirer. Adéria ma cache un mystère, ma cache un secret, ma cache une, une peur. Alors, bien sûr, quand elle a annoncé Blé, elle va tirer, il y a eu tout un tas de réactions euh, dans tous les pays, enfin les pays qui soutiennent l'antitationniste, et à commencer par les États-Unis. non, euh, euh, le Biden, euh, Biden, qui fait avertit l'Iran, euh, il ne faut pas qu'il qu y ait de... Faut pas qu'il ait de riposte, faut pas attaquer, faut pas tirer des missiles, faut pas ceci. Faut... Voilà, tout le monde a commencé à. Voilà Netanyahu Benjamin Benjamin Netanyahu il a bdé dans les discours d'Allo, blé on est les plus forts, blé on va riposter, blé on va gagner tous ensemble, etc. Là-bas, là-bas, comme le discours idéologique d'Allo pour essayer de la croire. alors que sa population camélé elle était contre. Moi, j'avais fait, fait quelques recherches et j'ai su euh, honnêtement, euh, euh, c'est-à-dire en Israël, le débats ça chauffe de partout. Le pays, rahou, euh, je ne sais pas, il y il, il a guerre une guerre civile, il y a, faire, il a vraiment une catastrophe, c'est-à-dire le pays. Euh, ils sont tout à fait contre la politique de d'Haïd, le de d'Haïd, Netanyahu. Ils sont contre le gouvernement israélien, ils sont contre les attaques, contre, contre tout. D'accord euh, Même s'ils sont, euh, ils vivent là-bas, c'est des sionistes, c'est ce qu'on veut, mais ça va très très loin cette fois. Il euh, n'y a jamais eu al ou Kamelamiroloha dans le monde entier. Il n'y a jamais eu euh, un niveau d'antisémitisme dans le monde qui m'a al dire. surtout après la mort de 37 000 ou 40 000 ou 30, 000, je ne sais pas combien de, de civils, d'innocents, euh, palestiniens, femmes et enfants, qui doivent être donc salam à Mohamed la MLG, yesine, bonjour, bienvenue. Chitania, où m'liez ou d'ici, m'liez pas. Nous nous sommes heureux d'être. Zed, bon, on s'est Voilà. Donc. Euh, donc, euh, donc, j ai, j ai, ça, m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu. J'ai vu une sorte de d'élégance euh, chez le, 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 les dirigeants iraniens ou là, les militaires iraniens ou là, peu importe. Euh, J'ai vu qui d'ashabah d'ayakifashiani. Ils ont annoncé la couleur. Ils ont avisé tout le monde. Ils ont alerté tout le monde. Ils ont dit voilà. Ils ont signalé. Ils vont tirer. Ils ont tiré. Il y a eu des tirs tout à fait, la le ciel le ciel euh, la région Hadikwintier ils ont tiré le sud d'israël. Donc bon l'entité sioniste, non, c'est à dire pour l'instant on va appeler Israël pour bien préciser les choses, mais Mais pour nous c'est l'entité sioniste on Israël, mais bon, salam pour ya Jiji, marhaba donc, qui fait les tir et surtout ils ont ciblé. d'ailleurs, il y a eu des commentaires sur la vidéo, le enfin, le live de Ils m'ont donné raison. Euh, C'était en plein mille, J'avais dit, ils vont éviter les civils, ils vont éviter les innocents, enfin, les, les, les personnes innocentes. Ils vont éviter de tuer des gens pour l'instant même s'il si y a eu quelques dégâts, bah, bah, d'après les articles, toujours hein, des articles, ta hum, personne n'a été touché, il y a eu juste une petite fille de 7 ans, tu vois, pour faire pleurer l'opinion publique. Il faut jamais les croire. Il faut jamais les croire. gars, ils sont de mèche, gars, ils sont de combine, les qui Donc, c'est sûr qu'il y a eu des, des personnes touchées. Euh, comme il y a eu euh, une base euh, aérienne euh, militaire qui a été touchée au sud de les, euh, au sud d'Israël. De, de, Donc elle a été complètement détruite, elle a été touchée. Puis les sites d'information iraniens, ils le disent, Amir, clairement, les, les cibles ont été détruites. Alors que à la propagande sioniste tous les 99% 99% des missiles ou des drones ont été interceptés. D'accord? D'autres articles, il y a eu une sorte d'alliance, une sorte de coalition pour intercepter Kamel Hadletir. Alors, bien sûr, bien entendu. La première dans la liste, euh, c'est la France, les États-Unis, la Jordanie, il y a un autre pays, manichafi pour intercepter les tirs à euh, l'Iran. D'accord Et donc, elle a qu'une réussite, 99%. Donc, il y a 1% qui banque, les, euh, les euh, qui n'a pas été intercepté. Bien sûr, c'est de la propagande, c'est des histoires. Marahbab Ikhoya Océan, bienvenue. Marahbab Lijaw Dukam, assalamu alaykum, Donc voilà, donc, euh, donc maintenant, euh, bon, qu'est-ce qu'il y a comme, comme euh, formation Bon, donc nous au fur et à mesure. Ce qui est certain, c'est que euh, la propagande du al-Khawah, euh, maintenant, euh, voilà, ils se sont tournés vers euh, la guerre euh, médiatique, la guerre des réseaux sociaux, la guerre d'information, puisque l'Iran a la belle comme les sites d'information. Taha, les journaux sont à, euh, sont en persan, donc le, la langue perse, donc elle n'est pas très, n'est pas très, elle n'est pas, pas beaucoup lue, c'est-à-dire elle n'est pas très euh, très demandée, n'est pas très visitée. Donc il y aura le, le reste des sites, des, des sites Américains, hein, des sites français. Alors là, les sites français, euh, les sites d'information français, euh, en tout cas en langue française. Mais bon, spécif spécifiquement français, il n'y a jamais eu autant de, autant de conneries. Jamais, jamais la France marge autant de honte euh, depuis depuis des, des décennies où il y a délustré la Manicharv tellement horté des histoires, de la propagande. comme la France elle est au plus bas d'aujourd'hui, comme D'ailleurs Macron, derrière un tweet, il se prend pour un grand chef d'État puissant, d'une France puissante. Bon, ça, il mérite, il mérite un live voire deux. À ça, parce que ça. Parce que ça, ça, va demander du temps, hein, parce que c'est à vomir. d'ailleurs, c'est vrai que c'est le pire de, de, le pire des pires. Il a dépassé Hollande, il a dépassé Sarkozy, il a dépassé Hamkam. Pourtant, c'est, le c'est, c'est, ça. C'est de la pourriture. Hein. Mais malheureusement, Hada Macron, d'ailleurs, il a, il les a dépassés parce qu'il est à l'âge. Et je l'avais dit, je fais je fais omleih. N'allez Macron les euh, les anciens qui euh, ce que j'ai dit, j'ai dit que macron c'est le plus dangereux il est, euh, il est euh, imprévisible il peut se lancer dans un truc hakda euh, sans demander c'est-à-dire sans faire de référendum sans, euh, sans euh, je demander l'avis le, le, le parlement Europe, euh, euh, français ou là, sans, sans rien du tout il peut réagir hakda il se prend pour je ne sais pas qui, je pense que c'était un abruti, d'ailleurs. ou à l'époque, quand il, il s'est pris un peu, je crois, il s'est laissé embarquer dans une, dans, une, dans une histoire de fou, mais à Trump, fort Trump. Et effectivement, Chouyam Mbad, ils se sont lancés Binzouch, Roua ou Trump, pour attaquer la Syrie sans le consentement de personne il n'a demandé l'avis de personne, ni des français ni du parlement européen ni du parlement français ni de la, de, de, de la communauté internationale ni de l'ONU ils ont c'est-à-dire ils s'en sont, ils sont fichent complètement donc même pour moi c'est le plus dangereux avec l'Ukraine il a montré que c'est un déglingué, il est fou il a Poutine, il a, il a لي فرونسي لو بوبل فرونسي قالو انت هات ماك حد دخلنا ترويزيام غير ترويزيام غير مونديال هكذا كبر غراتويت مو حنا ما انت ما عندك والو انت ديجا عندك ان بروبليم افيك طون بروبر بوبل واش راك تخرط وما عندك والو تي ني با ايكيبي تي نا تي نا با سكي فو اكسيت داكور سي ان تي غوس ما يعرفش دونك بون يا علينا هادي وحده اي هذا نهضر على هذا ماكرو هذا Donc, il y a un tweet pour soutien euh, total pour euh, Israël ou Oranahna où il n'y a aucun problème. Ou... Et bien sûr, il dénonce il il dénonce dénonce avec, euh, avec avec euh, de façon catégorique, avec fermeté, avec. Tu vois, il dénonce de façon claire et nette les attaques de l'Iran. Ils, ils sont devenus des attaques, hein, l'Iran. Ce n'est pas des ripostes, hein, ce n'est pas une réponse. C'est-à-dire les morts à Damas le consulat. c'est gratuit. Personne ne les a condamnés, d'accord. Et personne qui les dirigeants pro proportionnistes, personne n'a dénoncé les morts, les victimes, les innocents à Gaza. Makash les condamne Ami il faut chercher. Il faut, ils font, faut, il faut tourner un disque un disque, un vieux disque rayé. Mais l'essentiel, ma où, où le bombardement à Gaza il continue. Je ne fais pas de blague. Il y a toujours des morts euh, et, et le bilan augure euh, lesides. Donc, on ne le fait pas maintenant. Salam alaikoum. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ils ont soutenu euh, Israël à pour intercepter les euh, les missiles iraniens. Maintenant, il y a le cas où on ne le parle

d'accord, ils l'ont détruite d'après les sites d'information iraniens ou plusieurs, c'était bien précis et clair il y a eu effectivement des missiles ou des drones interceptés, mais ils ne l'ont d'accord Z pour vous dire, après cette affaire il y aura une pause je vous l'ai dit hier, qui les pas le live ils vont voir d'accord, je ne suis pas Madame Soleil mais j'avais deviné, voilà, il y aura une pause, il y aura des négociations, il y aura euh, les États-Unis qui vont freiner chouya parce que l'attaque s'est concrétisée. Euh, concrétisée, l'attaque, c'est-à-dire il pensait Ils pensaient peut-être que mais finalement, ça s'est concrétisé. Il y a eu des tirs de missiles de drones iraniens et ils ont ciblé. Une base, ils l'ont détruite, etc. Même s'ils ont intercepté beaucoup, peu importe, parce qu'il y en a eu presque 300, d'accord 300 interceptés, c'est pas facile, d'accord Quand il y aura une pause, et effectivement, c'est ce qui se passe, à al Donc là, on a ce matin, Joe Biden, qui a dit que l'Iran ne va pas s'en sortir à etc. Mais là, des articles, des informations, Biden, il ne veut pas de conflit avec l'Iran, on ne veut pas rentrer en guerre avec l'Iran. Okay. Sachant que l'Iran, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est un, un pays, c'est une puissance militaire euh, et qui a probablement le nucléaire, qui a probablement la bombe atomique, qui a, voilà, qui, qui, qui a des armes. Inde, l'arsenal militaire, il est impressionnant d'après les, d'après les, bon, suivant le classement des les Occidentaux. Donc le classement, c'est la quatrième, le Moyen-Orient, uh, c'est c'est des de conneries. Pour moi, c'est la, la première au Moyen-Orient, d'accord. Hamoudi dit que la première au Moyen-Orient, c'est Israël, c'est des conneries. On a jamais n'amené, horrètaine. On a, par exemple, là, surtout, pas de magret, le Israël. Elle a intercepté comme les tirs à l'Iran. J'avais compris tout de suite. Les sioniste, c'est elle est la, est la plus faible de, 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 du Moyen-Orient. Mais le je l'affirme. Je, je l'affirme. même si c'est une puissance, elle est puissante pour ses alliés. Elle est puissante. Israël elle est puissante. Pour les États-Unis, d'accord. Il y a eu, même maintenant, BFM TV, etc., où ils ont commencé à dire des vérités. Les Israëls sont les États-Unis, ils ne euh, pas Ni sur le financement, ni pour la défense, ni pour la sécurité, ni pour l'armement, les, les munitions, cool D'accord, cool, cool. le D'ailleurs, le Kéveshépollo, c'est les États-Unis, là, ont

depuis 6, 7, 7 7 mois encore. 7 mois, ils les ont tués. Ils les ont tués dans les villes. Dans les civils, des femmes, des femmes enceintes, des hôpitaux, ils les ont tués. les ont tués les écoles, dans les chios. Ils ont même des ONG qui ramènent de l'aide. Les ONG, des ONG des pays occidentaux. C'est-à-dire ils font des conneries incroyables bien sûr, en toute impunité, c'est-à-dire, c'est la guerre, personne ne les condamne, même s'il y a des associations, c'est ça, voilà, c'est une réalité. Euh, ils vont intercepter 300 euh, drones, missiles, ils vont les intercepter euh, à 99%, impossible les otages de hamas, macadrouche, macadrouche et des résistants, quelques résistants du hamas, les hommes des otages macadrouche et sebouan, depuis mois. alors on parle d'une puissance militaire avec une technologie, avec un équipement sophistiqué, mais bah, ça n'a qu'un rôle mais ça bouge le rien. jusqu'à présent, mais ça les otages. Au oshamidero, depuis 7 mois, il y a une population civile, il lance des pompes sur des, sur des bâtiments, sur la hormel. mais, monsieur schachbier, hadis c'est une puissance. chouffe la puissance, ça un là. la puissance s'arrangeait un je entier, et je vais cibler des endroits. Tu commences à faire à faire des films, tu commences à te raconter des histoires, chef. Tu vas appréhender, tu vas tu vas vivre un cauchemar. On va déterrer. On t'ouvre les tirs dans le ciel d'Israël. On va te prendre d'intercepter le on appelle la France, on appelle qui tu veux. C'est-à-dire, je te laisse même le temps de te préparer. Mais ce que j'ai ciblé, je l'ai eu. Alors, comment je parle les Iraniens dans les sites iraniens que personne ne, personne ne, ne partage, personne ne, 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 ne les euh, ne, ne les donne, c'est-à-dire en public, c'est-à-dire. Mais quand je les regarde la télévision, etc. Donc, je C'est parce que moi je les traduis en, en français. Oui, n'importe qui le persan. Hein? اصبرت نقرا لكم برك واش قالوا هكذا ماشي قرايه كبيره ما تخافش مانيش راح نقرا لك جو با ليغ تروك مي دوك تشوف فهمني مليح واش قالوا الو واش قالوا ماشي هادي ماشي هادي صبر والا سينكرويا استاذ وانت كشوف واش شويه د الناس وانت كشوف دا فاش قالوا قالوا بلي قالوا باللي لو كان اسرائيل تعاود لي زاكسيون ديالها وتعاود تتحرك اون فا اونفوايي 10 فوا بلس نبعتوا 10 خطرات واش بعتنا C'est-à-dire s'ils ont envoyé 300, ça va être 10 fois 300 de, de enfin, euh, drones, missiles, etc. D'accord 10 fois. Le site iranien, Fararous, euh, moule, un truc comme ça. Euh, il dit, le cabinet de guerre israélien se réunira cet après-midi pour discuter de la manière à répondre à l'attaque iranienne selon les responsables israéliens. Ils ont euh, déclaré que l'option d'une éventuelle réponse, une frappe de représailles euh, suggérée par certains, certains membres du cabinet avait été abandonnée après l'appel téléphonique du premier ministre Benjamin Netanyahu avec Biden samedi. Les responsables n'ont pas précisé le contenu de l'appel entre les, diri euh, les dirigeants, c'est-à-dire une éventuelle riposte d'Israël a été abandonnée vous la réponse de l'Iran, il y aura un silence. Il y aura un silence. Il y a un porte-parole américain pour la sécurité nationale, est bien conscient des exigences américaines. Il y le porte-parole américain en matière de sécurité, un destin cité iranien en matière de sécurité nationale, John Kirby, a répété ces dernières heures dans les débats télévisés du dimanche matin que les États-Unis ne veulent pas d'une guerre plus large au Moyen-Orient. À tout amener. S'adressant à la CBS News, Kirby a déclaré que ce qui s'est passé, ce qui se passe dans la région. Nous affecte certainement, d'autant plus que des milliers de soldats américains sont stationnés en Irak, en Syrie et en Jordanie. Attends un minuit. Haï qui va jouer? Haï, la fausse aura hit Donc, 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 il y aura rien du tout. Un article comme Agali était ou un article comme Lassabre est sur la histoire, il y aura pas de riposte. Voilà, c'est là. T'as pas, t'as pas de l'histoire. Alors. اونيتمون باسكو ليرا عطاهم ان افيرتيسمون دوكا بينهم بلي يضرب ما يفهمش اون لونجاج سي كوم سا كون لانتربريت السيد ما يفهمش يضرب زيد بلي درون ديالو لي تيراهم <applause> بلي درون ديالو لي تيراهم <applause> لازم تفهموا يا الخوا باللي بين لهم واش عنده السلاح آه لي آه هما يعرفوا بلي ليغون عندهم لي درون كاميكاز لي اسمهم شاهد شاهد عندهم لو شاهد 136, mais là, qui les drones. Ils ont découvert les drones shahad euh, à doma. le nouveau drone 200 238. Mais le 136 et le 238. Le drone kamikaze amélioré 238, c'est un drone qui a été amélioré en Iran. D'accord Ils avaient une information... Bon, entre parenthèses, je l'information le drone kamikaze les Américains, ils comme les espionnages, etc. Parce que l'industrie militaire, ou l'industrie de, 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 de l'armement, la construction des armes nucléaires en, en Iran, c'est un mystère. C'est-à-dire qu'ils ne donne aucune information. L'opinion publique, ni à la ni tu vois, c'est un mystère. Donc, les américains, bac ont roussouille femme ou chandom espionnage, etc. Les conneries, t'as avec les conneries du far west, donc t'as hommes, roussouille femme ou bizarre. Donc, déjà jabot, une information, belle Effectivement, la Corée du Nord, mais dit l'Iran, mais dit là, le y d'être là, le type d'armement, mais finalement, à refaire au bel et.

عندهم وعندهم جيش كبير وعندهم سي اون فورس كوا سيتادير في البارح انا كنت نقول باللي باللي ليغون باللي ليغون باللي... 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 مصنع فوالا يعطيك الصحة خويا ياحي ميرسي اباك في الديريكت تهضر له تنسى الكلام وكذا يروحوا لك لي مو مصانع ربي يحفظك ميرسي دونك كنت نهضر البارح قلت لكم باللي ان شاء الله ليرون كي تاتاكي جيسبير لي زالي ديالها يعني البلدان ياسمين مرحبا بك بونسوار دونك جيسبير كو كو لي بي الي يعني كيما نقولو حنايا البلدان يعني الصديقه لي لايران سورتو لي بي تاع لو بريكس باسكو ايران اي داخله في لو بريكس داكور نهضروا على البلدان كامل لا روسي لا شين اكسيتيرا

مي سي بوسيبل حنا ما دابينا مي اه ما حوست عليها انا فورماسيون ما صبتهاش في لي سيت اللي عنده لو سيت اللي يهضر عليه ولا لارتيكل اللي يهضر اللي مد هذه الانفورماسيون يقولها لنا انا باش نهضر هضره ما قريتهاش ولا ما صبتهاش هادي امبوسيبل دونك ما ما نقعدوش نحكيو في الفراغ ما كاش هذه انا ما صبتهاش مي ما يخلينا من هذا الشيء Mais ce qui est certain, c'est qu'après des recherches, on trouve l'Iran, on a comme puissance, on a comme industrie, on a les, fa, les, les fabrications, de ha, le nombre de soldats, le nombre de réservistes, le nombre de militaires, l'arsenal militaire, les a plusieurs catégories de missiles stratégiques, ha, donc 4 000, 5 000 euh, kilomètres, d'accord qui m'a dit avec le BM25 avec Muzudan, 4000 euh, km, euh, la portée d'Yalo. C'est des trucs impressionnants, les hein, J'ai vu, l'Iran n'a pas besoin de personne, c'est une puissance. Elle n'a besoin de personne. Même si elle se, fait, elle se fait attaquer par tous les pays, elle leur fera très très mal. D'accord C'est-à-dire, il, il y a toujours le risque. Ok. دونك هذه هي ا ريلاتيفمون هذا واش حبيت نهضر على دوما لي زانفورماسيون كنت نهضر عليهم كاين euh, كاين euh, اه كاين لي دير لي انفورماسيون حبيت نهضر عليها كونسيرن euh, دونالد دونالد ترامب دونالد ترامب على بالكم بيان سور كاين لا ريفاليتي كاين بين بينو بين جو بايدن اكسيتيرا C'est-à-dire c'est devenu un opposant qui m'a la savez. Et à chaque fois il sub Biden, et il, dit, il, dit, il, dit, il critique, c'est-à-dire le gouvernement actuel. bien sûr les États-Unis n'ont pas intervenu, où ils veulent absolument arrêter les tensions à Doma. Ou Israël, d'après les sites, il faut absolument ne pas riposter ou s'arrêter là, ou les hostilités, etc. Mm. Ne la guerre. Où mm. je euh, parle Donald Trump, Donald Trump, euh, puisque les États-Unis ne ripostent pas ou ne réagissent pas ou il ne contre-attaque pas ou mais ils sont pas dans cette affaire. C'est à quel point les États-Unis sont devenus faibles. Les États-Unis sont devenus faibles. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit. Les États-Unis sont devenus Ils dit que les États-Unis sont devenus faibles. Ils ont dit que l'Iran États-Unis sont C'est faibles. C'est flagrant. C'est flagrant. L'affaire à la Russie. La Russie, elle allait attaquer le ou l'Ukraine le, le ukraine qu'est-ce a dit Biden attention on est là on va la soutenir on va ceci on va cela ou la hdra ou la hdra ou la hdra les t -t les informations ils connaissent ou leur a mais c'est tout à fait le contraire Biden n'a rien au contraire je teud dire khalla les européens khalla les les pays en europe les pays de l'otan en europe Qu'la hum ils trapotent ma, ils trapotent ma médiatiquement et tout ce qu'on veut, d'accord Et ils vont même, ils sont allé même, ch'allier, ils ont risqué leur vie, leur pays, etc. Alors que les États-Unis, alors en bas, madaloualou. Même cela, même bas, touche pas de cabra, madaloualou, ils ont fait pas grand chose pour l'ukraine. Alors que mon couple, ils ont réduit. Ils avertissaient le Zmou, attention, on va dedans, on va riposter, on va contre-attaquer, on va dedans. Deux discours. T'as Poutine, Ils ont commencé la spéculation comme des petites fillettes. T'as l'école. T'as l'école. Alors que Ousmane, il a pris son temps. La guerre d'Yalo, il doucement. Il est en train d'avancer en Ukraine. Doucement. Il gagne du terrain. Il gagne Il gagne du terrain. Il essaie de minimiser les pertes d'Israël le plus possible, Tranquillement, on à l'a, à la Poutine. Le même scénario à l'Iran. Juste avant l'attaque des drones de l'Iran, Biden dit "Attention, on va soutenir Israël, on va faire ça, on va là, on va maintenant, on va ceci." L'Iran l'a attaqué. On ne souhaite pas la guerre. On veut que ça s'arrête. On veut que maintenant. On veut ceci. On veut que on veut que ça s'arrête. Il est en train d'avertir Netanyahu pour ne pas riposter. Zama riposter. Il a fait vivre son, sa population l'horreur parce qu'ils ont vu leur pays classe. Par exemple, l'Iran, il pouvait très bien envoyer des missiles, les musulmans ou les trucs, donc Osmo, et des trucs mortels, les, une région comme elle, euh, va disparaître. Vous pouvez faire cela. Mais c'est une stratégie à une tactique, un avertissement dans un sens et... Euh, et c'est-à-dire, l'avenir, ils ont une politique, ils ont une stratégie. stratégie une... D'accord Maintenant, on n'est pas à ce point des experts pour deviner où est-ce qu'il On va pas jouer Madame Soleil, je n'aime pas le faire. Mais je ne vais pas rentrer dans le... les pensées. Même les analystes ou même les experts, en Iran voilà, ils ont des stratégies, ils ont des coups, des, des militaires, des stratégies militaires, que donc réal qu'est-ce qu'ils vont faire, pourquoi ils ont tiré maintenant, pourquoi maintenant. Donc ils ont ciblé une base aérienne, et j'espère qu'ils l'ont détruite complètement, contrairement à ce que disent les sites, les professionnistes, etc., Bléma Makan Makalwalou, il n'y a rien du tout, ils sont en train de minimiser.

وانا قلتها لكم البارح قلتها لكم بكل روح وطنيه جزائريه تاع انسان جزائري بالك ما نعرفش مليح مي بوركو با علاه ما يضربش علاه ما تاكيش، علاه ما يريبوستيش علاش يضرب خلاص ربعين الف قتيل ضحايا دراري صغار ونساء والاخر شكون يخلصهم هادو شكون خليه اضرب اضرب ورا المشكل اضرب قلت لكم برك للاسف البلدان العربية المسلمة ما يوقفوش معه غير تسيب غير الجزائر كالكو بي كيما اليمن دي بي هكذا مي لي زوطر كامل ما يوقفوش مع ما يوقفوش معاه. مع مع ايران للاسف ولو وقفوا معاه يوقفوا معاه بلدان تاع البريكس ولا بلدان واحد اخرين سي بوسيبل بور دي زانتيري بيان سور بور دي استراتيجيك سيتيرا دايور يو بوكو دو بي لي داخلين في البريكس ماذا بهم ما تكونش اون غير c'est-à-dire essayer d'éviter le maximum. Donc, c'est mon avis sur la situation. Le, 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 le résumé, c'est-à-dire le message, y a des messages, les avec tout ça. États-Unis. Les États-Unis, c'est une force militaire qui est puissante, etc. Mais lâche, d'accord Elle est lâche, euh, surtout depuis quelques années. Je pense qu'elle n'a pas les moyens d'affronter un pays, une puissance qui est ou la moins, ou la plus, d'accord Je ne pense pas. Je pense que les États-Unis, depuis maintenant beaucoup d'années, très longtemps, n'attaque que les pays les plus faibles, les pays les moins hommes, qui un arsenal euh, militaire important, euh, bled les à des problèmes politiques, bled les fera des problèmes, euh, des problèmes euh, tout simplement euh, euh, de gouvernance, de, bled déstabilisés. C'est là où les États-Unis vont attaquer la Syrie, euh, la Libye. Euh, et ils attaquent ils attaquent ensemble bien sûr avec l'OTAN. T'attaques ich mein pas euh, surtout que les États-Unis depuis quelques années ont des problèmes dans le pays, des problèmes politiques graves. Euh, Il qu a quand même une guerre, une guerre civile. La population des États-Unis en général sont contre leur gouvernement, sont contre maintenant leur armée. Ils dénoncent fortement l'armée américaine. C'est fini le patriotisme tabacé, fini les États-Unis, l'armée, etc. Top Gun ou le Hadak, c'est terminé. Maintenant, ils voient une armée. Euh, une armée euh, qui, qui détruit, qui qui, 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 euh, qui qui urine sur les cadavres, qui tue des innocents, qui tue des, des enfants, euh, qui, qui vole des, des, des terres, qui vole le pétrole, qui vole la voilà Et, euh, ils sont complètement euh, en désaccord avec euh, euh, les gouvernements de ou avec l'armée terres. C'est-à-dire l'armée américaine chez les Américains, ce n'est plus la fierté Kent, je ne sais pas les années euh, 70 ou la Même si, même si ils ont perdu, mal euh, Vietnam, Agda, ils ont beaucoup dénoncé, mais avec quelque part la fierté avec Medoka, il n'y a plus cette fierté. Tout le monde la dénonce. Donc ils sont en désaccord avec la population de euh, Ils ont créé beaucoup de problèmes à la population de Donc, pour moi, euh, ils attaquent le les pays les, les plus faibles. Ils attaquent les plus faibles. Voilà. Et là, c'est différent. Là, l'Iran n'est pas faible. L'Iran a montré clairement, mais ce n'est pas un pays faible. D'accord Et euh, c'est un C'est un pays qui, qui riposte, qui contre-attaque, qui, contre qui répond au, au coup. On mais on mais On a de la puissance TAO où tout le monde se pose la question, wesh ont, où d'accord Mais les Benhommes, je suis comme arme nucléaire, ils savent pas où. D'accord, l'effet surprise à l'Iran, euh, voilà. D'ailleurs, les sites, l'Iran, elle a averti plusieurs fois, mais si il y a une riposte, une action qui va, je ne sais pas, quelque chose, elle va riposter dix fois plus. Elle va contre-attaquer dix fois plus. Elle va envoyer dix fois plus où je batte Albert. Je peux vous dire que la population en Israël elle a vécu un cauchemar. C'est-à-dire, Donc euh, l'Iran, elle a bel l'entité sioniste anti-sionistes, Kian sioniste, il a des problèmes. Comme moi, je ne sais pas comment elle s'appelle, Ferrari Hadik. Elle a TTF, Laurence Ferrari. elle a juste un problème avec des Palestiniens, des jeunes Palestiniens résistants. Mais ça m'a fait la tâche. Qui veut-je faire La République islamique iranienne. Qui veut-je faire je faire Avec une force nucléaire, avec une puissance militaire, avec des milliers des milliers de soldats. عندهم. Des milliers de soldats. Voilà. En plus, il faut savoir une chose l'Iran, un homme, une, une, une sorte d'idéologie religieuse un peu un peu, un peu peu à part, c'est-à-dire, elle est un peu. Je ne sais pas, c'est mon avis sur la question. Le, 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 la religion, etc. Ils ont une sorte de folie, c'est-à-dire idéologique. Chacun est libre avec Mais ils ont dit que la folie, ils peuvent se lancer dans un truc comme Alebanom Shushahi Salah. D'accord Donc, l'idéologie, ça joue aussi. C'est comme l'antitessionniste. L'antitessionniste, ils le fascisme, les conneries, le peuple élu, etc. Donc, Kif-Kif, c'est un drôme à la base, une idéologie qui les pousse justement à leur réaction. Voilà. le fait qu'ils, tu... je suis sûr, hein. le fait qu'ils tuent 37 000, 38 000, le 34 000 de civils, de civils euh, euh, innocents, tuent pour eux, d'aqlaf l'idéologie d'aqlaf, d'aqlaf la folie idéologique. دي في لو جوداييزم على بالكم هما عندهم هذاك لو تاعهم هذاك لو تالمود هذاك عندهم دي كونري روح فريها معاهم دونك الجزائر عندنا لي تاعنا حنا بوبل الدين ديالنا حال عندنا الدين عندنا العقيده ديالنا ولكن عندنا عندنا C'est-à-dire que les c'est l'idéologie. Chacun son truc, pour moi, le live ça fait pour moi. Ce qui se passe maintenant en Iran, pour moi, c'est une leçon. Il faut absolument être armé et équipé. Il faut absolument atteindre les objectifs terrains militairement parlant. Faut absolument financer les projets, les industries, la militaire le plus possible. Absolument. C'est une même analogie. Même analogie au lobby ou les despots ou les chiens. Mais il faut être armé, il faut être puissant. Tu as quelqu'un dans le nucléaire, la mise à l'armée. D'accord. La première fois que les guerres sont sont à nos portes. Tu peux pas savoir du jour au lendemain ce qui va se passer. Par contre, je t'arrive. On peut, on peut être attaqué, on peut, je ne sais pas, une puissance, la religion, tout est possible. Déjà, après tout ce qui s'est passé en Algérie, a dit juste la petite minute, mais ça nous concerne. Hachi Kamel nous concerne. Hachi Kamel, ça nous concerne. Parce que les attaques contre l'entité sioniste, ça nous concerne et on le soutient. Tu vois, genre clairement, maître. Tu vois. Donc, donc, je pense que la force, l'audace de l'Iran d'attaquer les États-Unis, la France, l'OTAN, toute cette merde, les pays de l'OTAN, pour moi c'est une fierté. C'est formidable. C'est exactement comme Poutine a dit les discours de dialogue en direct où il dit à tout le monde. لو موند اونتي اللي كاين لي زيتازوني فرنسا هكذا شغل مع الباش كاع بها يا خويا قرب قرب نمحيك من الكارطه نمحيك من لاكارت شتي فاس كومبليتوم نبعث لك ميسيل مننا يجي حتى لعندك لا فرنسا تاعك نحيها لك انا بو مو سي اون فيرتي هادي هو واحد ما قرب واحد اولاو يبعثوا له دوكا الارهاب والتيروريزم ومنها و... ولاو يلعبوا الارض Tu vois, ils sont revenus. C'est ce que je pense, hein. Je pense, mais lui, on lui a envoyé des le, 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 conneries de terroristes, pour lui faire des coups, des, des attentats faiblados, pour essayer de l'affaiblir, pour le son. Voilà. C'est ce que je pense. C'est une vengeance, d'une Eh bien, on revient au terrorisme. Ah, maintenant, on se rappelle maintenant ce qui se passe dans le monde, au niveau du terrorisme. À dire. C'est une c'est maintenant c'est une c'est un outil, c'est une arme. C'est une arme. Parce que les fous les, 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 les tue des gens, etc. Les terroristes. C'est une réalité, c'est une arme, c'est une arme de l'époque. C'est le terrorisme. Ce qu'on a envoyé, donc les Daesh et compagnie et tout ça, ils les ont financés, d'accord, euh, sous couverture d'idéologie ou... Et voilà, on dans les années 90, dit, en utilisant quelques fous, et voilà, ils ont rébouillé la pendant des années. Voilà, en fait, c'est, en quelque sorte, c'est des mercenaires. Il y a eu, c'est tout un travail... Euh, des années. il faut des années bien sûr pour constituer des déglingues qui vont les utiliser les instrumentaliser pour détruire des pour détruire le monde hein pour détruire le pour détruire des pays et que حبوا يديروا له دوكا حبوا يديروا له اسمو euh qu'on l'appelle Poutine هكذا حبوا يديروا Poutine c'est euh sans diffront avec l'Iran شاكا دلجير. بروكي بيان سور بروكي هذا اللي راه يقول ايران دارت في المن... المندا وشنو المندا هذه انايس انايس مرحبا بك بونصوار كيفاش وشنو هذه مندا؟ دارت في المندي انا فهمت هذا ضربت ريح ضربت ريح شويه الجزائر بعد ما كان كاع الأديان. جمول جزائريين واعلاميين والفيديو اللي كبيره بير ان شاء الله سعر البترول الغاز والحديد راح يتقبص قف على البترول يطلع دوكا ما فيهاش ابسولومون تافي داكور يفو يون ارامي الجزائريين اكسترا فورت كيت انو مونجي دي لونتي اكزاكتومون انو با مونجي دو تو غاز ان سي اون رياليته و لا اون حنايا نروحو دوكان نروحو للمؤسسه العسكريه تاع بلادنا الجيش الشعب الوطني اللي صبح وعشيه والناس تب فيها و... Ou que le budget militaire, c'est comme des... Moi, bon, je n'ai pas envie d'être... Euh, grossier ou là, j des mots méchants là, parce qu'on est tranquille ce soir, on est fatigué. Mais l'armée, le budget. de suite, la de 2000 2000 de 2023, 2000... Tout de suite, tu budget de l'armée. Tu l'armée.

لازم نلحقوا لارم نيوكليير لازم نلحقوا لي درون لازم نلحقوا نلحقوا جو سي با لي ميسيل لي ماشين نلحقوا كلش نلحقوا لهم لازم نلحقوا لهم لو بلو رابيدمون بوسيبل لو بلو رابيدمون اي جيسبر كو سي جو سوي سور بلي سي لوبجيكتيف تاع 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 المؤسسه العسكريه تاع بلادنا لا ديفونس ناسيونال ديفوندي بلادك ديفوندي بلادك اي وسمحوا لي نقولها كاين بالك ما يعجبوش الحال مي نو سولدا الجيريان لازم يكونوا لي ميو تريتي لي ميو باي كامل في, في, في البلاد هادية كاش ان سولدا اللي يخلص قليل ولا قدا لازم يخلص مليح لازم يعيش مليح لسيدي يريسك سافي او يدافع على الوطن او يدافع على البلاد هاد كامل لي زانستيتيوسيون هادو اللي يخدموا في البلاد ويحميو البلاد لازم يفو بيان لو تريتي بيان لو لو سمو سي الكا نورمالمون ان شاء الله مي زيد له شويه معليش نحيلو من عندي عطيلو له هذه هي من حقه من حق ماشي من حقه استاذي سي دون لوردر دي شوز كيما يقولوا بالقوريه سي اون رياليتي هذه هي ماشي باسكو يخير مني ولا نو سيدي يحمي البلاد ويحمي في الوطن او يبات سهران وانت كراقد ماشي كيف كيف جاب ربي لا لا ولا كيف كيف جو سي با نهار لي دخل كاميكاز من جهه تاع من جهه تاع من جهه الساحل دخلوا دي كاميكاز ايو دي ميليتير كي هي سون مور عندنا ان شبك عليه سي دون فواتور بيجي صدم على لي فرونتيير يا يو دي يا يو ان ميليتير ان سولداد صدم عليه صوت عليه لويا بلوكي لا فواتور طرتك به بها ما الاخر مات ما خلاش يدخل البلاد ايه تشوف با ندير باللي اونفا هذا سي تان سوجي على كل حال سي تان سوجي نعاودو نولو ليه لا بروشين فوا فوالا يا الخوا ما نطولش عليكم 1 اور 10 فيها خير وبركه نعاودو نولو بالك غدوه ولا غير غدوه نشوفو المستجدات نشوفو لاكтуаليتي واش كاين في الميكي تاع عاش البعاش وقاعد المقعده واش قال السيد وجماعه الاخوان المنافقين عامه اللي يحكمهم صوص ok à mon avis, l'action de l'Iran est une action non réfléchie. Elle vient d'effacer 200 jours de travail de la Mokaroma et a renversé les rôles. Les rôles et a rendu les sionistes victimes. Je suis pas d'accord avec toi, DZ54. Je suis pas d'accord avec toi. Bon, je pense que ma, la, la réponse aura fait le live, je ne sais pas si tu l'as depuis le début, mais tu peux, tu peux revenir. Ouais, demain. Mais ma, je suis d'accord. Au contraire, je pense que c'est le contraire. et le commentaire nous sommes les esclaves des colons sionistes commentaires, Merci à toi, Kalash Océan. Merci à toi. Vu le reportage sur Antenne 2, parler sur l'Algérie et la bombe sur YouTube. Z, mm le militaire devrait avoir un traitement exceptionnel, exactement, c'est ce que je pense. فوالا دونك غروسو مودو باش يولي يخلص مليح لازم يولي عندك اقتصاد قوي وجيش احترافي وانت النظام تاعك راه غارق <applause> في الشكيلات هذا رايك انت ما راناش غارقين في الشكيلات عندنا مشاكل نحلوها ان شاء الله و... وان شاء الله رانا نخدموا باش يكون عندنا اقتصاد قوي تيوا يا با فاتاليتي وسمك ميم سي تو بونس بلي عندنا اقتصاد ماشي قوي رانا نخدموا باش يولي قوي نو ماشي حتقعد هكذا تي ما تقعد فيجي تقعد تقعد مبلوكي ولا انت عندك راي مخالف على تاعنا نقول بلي عندنا اقتصاد قوي ورانا نخدمو باش يولي اقوى انت رايك ان الاقتصاد الجزائري ماشي قوي من ما حقك بصح ماهوش راح يقعد هكذا رانا نخدمو باش يولي قوي فهمتني هذا ما كان ما, ما تقعدش فيها بك مبلوكي هذا ما كان معليش يكون عندك راي مخالف

أه و لايكي و ايتترا و هذا ما كان باش يلحقوا الخبارات يلحقوا مليح تسمع واحد هكذا عنده افكار بالك ربما ماشي كيما تاعك وشوف وخمم فوالا اناليزي هذه هي تهلاو في روحتكم بارك الله فيكم وتحية الجزائر الله يرحم الشهداء وان شاء الله نلحقوا لها ان شاء الله بربي وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تصبحوا بخير وقال على خير